Faites vite, quoi. J'étais de plutôt surveiller la porte. Mais enfin, qu'est-ce que je fais d'autre à surveiller sa porte, non? Avec ton dos. Ouais, ben, moi, je reste sur ma position. Ça fait mesquin, ça. Officier de la Légion d'honneur, figurez-vous, c'est... Excusez-moi, mais c'est quand même quelque chose. Puis nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lui offre deux petits livres poussiéreux, là. Oh non, hein, on va pas tout remettre en question. Je me suis donné assez de mal, moi, quand même. D'ailleurs, on a voté, il n'y a pas à revenir là-dessus. Mais moi, il y a une chose qui me chiffonne, je sais pas, ça... Ça manque de dorure, non? Pour moi, les mémoires de Saint-Simon, c'est plein de dorure. Bon, alors, si vous voulez bien me laisser parler, hein. J'ai pris un échantillon de chaque édition pour qu'on se mette d'accord. Voilà. Alors, celle-là, elle est un peu plus chère que l'autre. C'est une édition de 1841, en 40 volumes. Très, très rare. 40? Combien? Oui, 40. Ah. J'ai mesuré, ça fait 1m30. Exactement 1m30. Et bien, 1m30 de Saint-Simon dans une bibliothèque, croyez-moi, ça fait de l'effet. Ouais, bon, alors, celle-là, c'est en 20 volumes. Elle est en meilleur état. Et puis, il y a des gravures, là, à la fin. Oh, mais en plus, c'est du policier, dis donc. Mais il va être content, le patron. Écoutez ça. Savary fut trouvé assassiné dans sa maison à Paris. Il n'avait qu'un valet et une servante qui furent également trouvés assassinés. C'est un complot? Oh, bah, non, c'est... Non, c'est au sujet de... Non, on discutait, quoi, vraiment. Hein? Oui, au sujet de demain, là, oui, parce que... Oui, c'est pour leur pas, voilà. On voulait savoir pour leur pas si on peut porter des cravates de couleur. Des cravates de couleur? Ben oui, bien entendu, c'est pas une réunion officielle. Je sors d'en prendre, figurez-vous. Qu'est-ce que vous lisez, là? C'est un bouquin, ça. Vous permettez? Hein? Pardon. Saint-Simon, ben vous avez de bonnes lectures. Oui, ça, je dois dire, j'aime assez Saint-Simon. Ah ben, je vous comprends, je l'apprécie beaucoup moi-même. Ah, oh ben, tant mieux. Bon, Francelin, je vous laisse le bureau. J'assure la permanence chez moi jusqu'à demain 7h. C'est mon fils qui prendra la relève. Alors, demain à 12h30, au roi du soufflet à Suresnes. Au revoir. Au revoir, monsieur le commissaire. Alors, bravo. Bravo, Abadi. Alors, avec tout ça, s'il n'a pas compris... Ça, je m'en doute, figure-toi. Et après tout, nous, on sait bien à l'avance qu'il nous invite à déjeuner demain. Alors, pourquoi lui serait pas à l'avance qu'on va lui offrir? Hein? Enfin, mon chéri, dépêche-toi. Mais ne t'énerve pas, je suis prête. Mais je ne m'énerve pas, mais ça fait une heure que je t'attends. Boutonne-moi le dos. Oui, en coup de bouton. Tu te rends compte, j'avais 10h30 précise. Eh bien, on a encore 10 minutes. Enfin, écoute, mon chéri, quand voudras-tu comprendre? Voilà. Ça y est? Non, mais oui. Quand voudras-tu comprendre que l'heure de rendez-vous n'est pas l'heure du départ pour ce rendez-vous, mais l'heure d'arriver à ce rendez-vous? Oh, oui, oh, bah, évidemment, à ce compte-là. Non, je... Eh bien, voilà, je suis prête. Bon, enfin. Oh, mais quand... Non, mais... Ils vont plus tarder maintenant. Ça devait peser son poids, non? Oh oui. Bon, vous savez, j'ai l'habitude, 20 kilos dans le sac à dos tous les dimanches. Vous auriez dû me demander un coup de main, je vous aurais aidé. Alors, pas rien, j'ai téléphoné chez eux, ça ne répondait pas, ils doivent être pour vous. Dis, tu nous en laisses quelques-unes, oui. Ben, personne ne vous empêche d'en faire autant, puis d'abord, moi, je suis pas fort sur les olives. Monsieur Lame, si j'ose me permettre, le soufflet, c'est pour quelle heure? Ben, le temps de passer à table, les hors d'œuvre, et puis... 20 minutes, ça va? Non, plutôt entre 20 et 40 minutes. Ah, ça, non, excusez-moi, monsieur Lame, mais le soufflet, c'est ponctuel. Et capricieux. À 5 minutes près, c'est plus du tout la même chose. Vous voyez pas, je sais pas, moi, faire quelque chose pour que... Oui, tiennent le coup, là, hein? Non? En béton, peut-être? Non, mais écoutez, ce serait préférable d'attendre l'arrivée de monsieur et madame Lambert, non? Oui, je crois. Ça, c'est la sagesse. Vous attendrez peut-être un peu, mais vous verrez mon soufflé dans toute sa splendeur. Messieurs, dames.
soufflé qui attend trop. Qu'est-ce qui lui arrive au juste? Il se dégonfle. Mais non, il est crevé, tout simplement, il est crevé. Y a plus qu'à changer la roue. Calme-toi, chérie, oui. Calme-toi, hein. Veux-tu que je t'aide? Mais non, franchement, non, non. Écoute, il y a une buvette à 200 mètres, alors va téléphoner à nos amis que nous arrivons. Ah, très bien, tu te débarrasses de moi, quoi. Bonjour, monsieur, c'est vous le patron? Ah oui, monsieur, bonjour. Est-ce que vous pourriez me rendre un petit service, monsieur? Je suis dans une situation un peu délicate. Oui. Je suis venu faire un petit peu de footing au bois. J'ai mis mes vêtements dans ma voiture et j'ai refermé en laissant les clés à l'intérieur. Oh, non, je ne peux plus ouvrir. Oh, c'est des choses qui arrivent très bien, ça. Oui, mais c'est idiot. Alors, je voudrais téléphoner à ma femme pour qu'elle me rapporte les clés de rechange. Ça ne mangeait pas un sou sur moi. Bon, oh, si c'est que ça, allez-y. Et puis prenez un verre en attendant, votre dame me paiera tout à l'heure. Je vous remercie beaucoup. Vous n'avez pas de cabine? Ça, non. Non, mais ça fait rien. Bonjour, madame. Ah, bah, c'était pour Cécile. Oui, petite minute, s'il vous plaît. Allô, Viviane? C'est moi. Raymond? Ah oui, quoi, Raymond? Ah oui, je suis un peu en avance. Ben, je t'expliquerai plus tard. Hein. Non, Viviane, tu veux m'écouter? Voilà, il faudrait que tu viennes me dépanner. Je suis au bois de Boulogne. Ben oui, quoi, à Paris. Viviane, écoute. Tu veux m'écouter? J'ai enfermé mes vêtements dans la voiture. Et j'ai laissé mes clés à l'intérieur. Alors il faudrait que tu m'apportes les clés de rechange. T'as compris? Je suis dans une buvette. Et allez du retour. Allez du retour. Non, du retour. Et du retour comme allez. Bon, alors, dépêche-toi. C'est ça. Je t'attends. Oui, mais tu me diras ça tout à l'heure, hein. C'est ça, au revoir. Ben, je vous remercie. Ah oui, à part quoi. Qu'est-ce que vous prenez en attendant? Donnez-moi un petit blanc sec. Vous permettez que je téléphone? Je vous en prie, madame. Ah, te voilà. Mais tu en as mis un temps. Mais figure-toi, mon chéri, il y avait un type qui a caparé le téléphone. Oh, d'ailleurs, il faut que je te raconte. C'était bien drôle. Figure-toi. Tu l'as quoi, non? Bip, ça y est, le voilà. La nappe, la nappe. Eh oui, mais oui, viens là, allez, allez, hop. Pas d'affolement. Allez, allez. Bonjour, madame Lambert. Bonjour, madame. Je suis navré, mes amis, mais vraiment navré. Nous avons eu tous les ennuis du monde. Ah bon? François n'est pas là? Ah non, non, il n'est pas encore arrivé. Eh ben, tu vois, nous ne sommes pas les derniers. Bah, Leblanc non plus n'est pas là. Non, ah si, mais il téléphone. Oui, il craignait qu'on vous ait mis sur une affaire importante cette nuit. Il se renseigne auprès du commissariat qui a pris la permanence. Ah, mais que de perturbations à cause de nous, non, je suis vraiment navré. Écoutez, nous sommes presque au complet, nous allons pouvoir nous mettre à table. Si vous voulez, mademoiselle Moreau. Attendez, comment va-t-on? Mettez-vous à ma droite. Et ma chérie, assieds-toi là, oui. Abadie, oui. Certain que vous
serais ravi d'être à côté de ma femme. Et Mareuil, mettez-vous là, nous mettrons le blanc. Hein? Voilà, moi j'ai crevé en route et... Ben oui. Alors vous vous rendez compte, le temps de réparer, ma femme a essayé de vous prévenir par téléphone, mais c'était toujours occupé. Et voyez les bonnes maisons, hein? Au commissariat, c'est comme ça. Je suis bien habillée d'ailleurs en bout d'un plan. Oui, figurez-vous. Il y avait un de ces garçons qui fait du... Vous savez, comment on dit déjà? C'était du footing. Ah oui, 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 du footing. Il s'était déshabillé dans la voiture, et il avait refermé en laissant tout à l'intérieur. Oh. L'argent, les papiers, les pantalons, enfin tout. Oh. Et impossible de rouvrir. Oh, ouais. Obligé d'appeler sa femme au secours. Oh, il était vexé, mais c'est quoi? Le blanc. Ah, bonjour le blanc. Alors, pas d'ennui en perspective? Non, monsieur le commissaire, mais je crois que vous avez eu de la chance. C'est Mortier. Il a hérité d'une histoire d'évasion une demi-heure après que vous lui ayez passé la permanence. Pauvre vieux. Donc, vous savez, il s'en fait pas trop. De toute façon, le type est en uniforme de taulard, alors il ne courra pas longtemps. Ah bah, à moins que des complices ne l'aient attendu avec des vêtements de rechange. Non, il pense que l'évasion a été soudaine. Enfin, il croit aussi que le type est fichu. On va voir, ça fait, je me débrouillerai. Hein. Ah oui. Oh oui, je me débarrasserai de mes vêtements, je fais n'importe quoi. Ben. Madame, s'il enlève ses vêtements, c'est encore pire. Il a une énorme rose tatouée sur l'avant-bras. Une rose? Mais comment s'appelle-t-il? Je me souviens pas. Raymond quelque chose. Oh, écoute! Ce serait tellement extraordinaire! Écoute, je dois vérifier, mon chéri. Tu comprends? Jamais je ne me le pardonnerai. Mademoiselle Moreau, ma femme reste avec vous. Nous ferons vite. Nous? Oui, Abadi Leblanc, Mareuil. Excusez-moi, mes amis, mais je vous expliquerai en roulant. Nous filons en joie. Une buvette. Oh, mais j'aurais mieux fait de me taire, moi. Mesdames, votre soufflet est en route? Eh bien, rattrapez-le, mon ami! Parce que ces messieurs aussi, ils sont en route. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Nous cherchons cet homme en short qui est venu téléphoner tout à l'heure. Ah, bah, vous n'avez pas de chance monsieur, sa femme est passée le chercher il y a un quart d'heure. Ah, et ils n'ont pas parlé entre eux de l'endroit où ils allaient? Non, elle a payé puis ils sont partis tout de suite, ils avaient même l'air pressés. Bon bah tant pis, il avait bien une rose tatouée sur l'avant-bras. Ah, il a du beau boulot d'ailleurs. Ah bah dis, appelez Mortier pour le tenir au courant. Oui d'accord. Et rejoignez-nous hein. Bon merci monsieur. Vous en prie monsieur. C'était un de vos amis, le gars en short? Oui, si on veut, oui. Alors, ici Abadi, passez-moi le commissaire Mortier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour à son papa. Qu'est-ce qu'on dit? Il est content. Hein? Il est content de me voir, son papa. Ah, oui. Dis donc, mais on t'attendait pas avant jeudi. Alors, quand j'ai reçu ton coup de téléphone, quelle surprise! Hier soir, j'ai appris qu'on changeait le gardien-chef. Mm. Et tu sais qui le remplace à partir de demain matin? Non. Cortacci. Oh. Je le connais, Cortacci. Je l'ai eu à Clairvaux, tu penses qu'il m'aurait eu à l'œil? Mm. Comme tout était prêt, j'ai demandé l'appel. Et vous, tout est prêt? Oh, bah tu penses? Heureusement que nous aussi, on a devancé l'appel. Et dis donc, qu'est-ce que tu vas faire d'ici vendredi? Bah, la planque. Ah, bah oui. Elle était bonne pour une nuit, elle sera bonne pour une semaine. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, ça m'arrange d'avoir pris de l'avance. Dans 3 jours, les barrages seront levés. À nous le Havre, à nous le cargo. À nous la liberté. Bon, dis donc, c'est pas tout, ça m'effringue. Ah, bah oui, c'est vrai, je me demandais quand elle est changée. Elles sont dans le coffre? Dans le coffre? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Bah, mes fringues. Mais c'est vrai, t'avais pas de paquet. Non, c'est pas vrai. Tu vas pas me dire que... Bah, tu m'as rien demandé. Mais au téléphone, je t'ai dit que j'avais enfermé mes fringues dans la bagnole. C'était clair, non? T'as peut-être fallu aussi que je t'explique, amène-moi un complet, une cravate, une chemise et des pompes. Oh, t'excites pas comme ça, Dédé. Aussi, si tu faisais pas tant de mystère. Mais le mystère, j'avais le patron de la buvette à côté de moi, t'en perdais pas une. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Bon, bon, t'énerve pas, on va aller t'acheter des fringues. Parce que tu connais des magasins de fringues ouverts le dimanche, toi. Bah non, ça non. Bon, allez, tiens, ça va comme ça, démarre. Où on va? Démarre, tu verras. Alors, l'institutrice lui dit, ben, fais-moi une phrase avec épithète. Et alors, il dit, il pleuvra aujourd'hui, épithète demain. Excusez-moi.
Ah, c'est drôle. Vous arrivez présent, ça. Non, mais je crois que nous le sommes encore plus. Pardon, mais passons à table. Pardonnez-nous, mesdames. Mais nous n'étions pas malheureuses. François était patente dimanche. Ah bon, alors parce que les autres jours... Les autres jours, vous êtes qu'un affreux policier qui ne connaît que des histoires de policiers. Ah oui, vous avez voilà. Raison. Le premier qui parle boutique est à la manche. D'accord, très bien. Bon. Alors, mademoiselle... Oui. Le plat de hors d'oeuvre, s'il vous plaît, le blanc. Servez-vous, mademoiselle. Ah non, madame. Ah, bonjour, madame. Ah, ben, moi, je veux tout de suite. Ah, j'adore les tomates. Ah, ça y est, j'ai prévenu Mortier, le commissariat est au courant. À la porte. Enfin, écoutez, non, non, soyons sérieux, non, parce qu'on a convenu que le premier qui parlerait boutique serait à la mort. C'est pas vrai. Oui, enfin, disons dans deux ou trois minutes seulement. Bon, alors écoutez, soyez gentils, celui qui est dans cette affaire, asseyez-vous. Parfait, messieurs, dames, je commence à m'inquiéter. Je peux te faire partir le soufflet. Ah, mais oui, il est grand temps, oui, je vous en prie. Bon, vous n'êtes pas très aimable pour mademoiselle Moreau, qui n'est pas encore sortie. Bah oui, liquidons cette histoire. Oui, les tomates, je crois. Alors, est-ce que ma femme vous a raconté? Ah ben, les balais en short, là, oui. Ah oui, Mortier a reçu un supplément d'information, oui. Il s'appelle Raymond d'Agrégat, il dit Dédé l'agrégé. Moi, je trouve ça plutôt bizarre, Dédé, quand on s'appelle Raymond. Bravo, je vous tiens le plat. L'agrégé? Oui, l'agrégé. Pourquoi, vous le connaissez? Ah, plutôt, oui. Je l'ai arrêté il y a 4 ans, quand je faisais ce remplacement dans le 14e. À la bande, à la bande, à la bande, à la bande. Berthe, tu te permets encore deux. Bon, dans 2 ou 3 minutes, hein. Bon, vous l'avez arrêté il y a 4 ans? Alors, amende ou pas amende? Non, mais... Bon, si vous vous souvenez, il y a 4 ans, au mois d'août, il a eu une chaleur terrible. J'étais au... On n'avait pas à boire, excusez-moi. Non, mais non, tu la connais absolument pas. Non, écoutez, soyez tranquille. Non, on donne un peu de vin, chérie. Justement, je vous en avais. Oh, c'est bien, ça se passe. Il y a 4 ans. Oui, mais non. Et si on en chantait une. Au mois d'août, il fait chaud. Non, je vous en... Tous les ans, au mois d'août. Non, laissez-la, écoutez, en bas. Non, nous vous écoutons. Non, je la raconterai pas. Si. Pourvu que tu n'attrapes pas un coup de froid. Ouais, mais là, un peu enrayeux, c'est intérêt, hein. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ah! Oh, j'ai vu ça, alors. Ah, quand la petite m'a dit que t'étais là, oh, remarque, j'ai pas tellement été épaté. Je savais bien que tu trouves un moyen de t'en sortir. Hein. Je suis content de te voir. Bon, ben, qu'est-ce que tu veux? La caisse, la boutique, la bagnole? Des fringues, simplement. Ah, ben, je te prêterai bien les miennes, mais... Ah, mais toi, je sais, mais ton neveu, on a la même taille. Ah, ben, c'est vrai que t'es pas au courant, il est en Amérique du Sud depuis un an, Alfred. C'est pas... T'entends? Mais voilà, c'est comme ça, il risque d'attraper une demande. T'occupes, on va se débrouiller, non? Bonjour, c'est Kiki qui est là? Oui, pourquoi? On va nous chercher. Kiki Gogolin. Je t'en connais beaucoup. Oh, je suis contente de te voir, longtemps que j'ai pas vu. Et voilà. Yves, et ça? Amène-toi, Kiki, j'ai une surprise pour toi. Attends, je suis celle-là. Amène-toi, je te dis. Attends, je vais pas te dire. Non, mais j'ai tous les atouts. Oui, ben, les atouts, les atouts, là. Oh, l'agrégé. Salut, Kiki. Salut. T'as pas l'air content de me voir? Ah, si, Dédé, ça me fait plaisir. Ben, on ne dirait pas. Je t'ai pourtant rendu des services, moi. Oui, Dédé, oui, mais... Mais quoi? Ben, à chaque fois que tu m'as demandé des services, ça m'est retombé sur le nez, alors... Ben, t'inquiète pas, Kiki. Cette fois, il n'y a rien de plus simple. Hein? Alors, écoutez, quand les enfants ont décidé quelque chose, ma femme et moi, on n'a plus qu'à suivre. Et ils ont décidé d'aller passer leurs vacances en Bretagne. Oui, c'est ma troisième qui a trouvé ça. Alors, les autres ont suivi, puis nous aussi. Bon, ça y est, l'agrégé, s'il est en cavale, je sais qu'on a une bonne chance de le trouver. Non, mais vous êtes sûr? Presque. Bon, allons-y. Ah non, ou alors vous m'emmenez. Non, le blanc, soyez gentil, je vous confie ces dames. C'est loin? 3 quarts d'heure à lire tout. Bon, allons-y. Oh, aujourd'hui c'est la dose, hein. On file 3 quarts d'heure toutes les 10 minutes. Ah non, si vous ne dites rien, c'est inutile, hein. Nous vous préviendrons lorsque nous serons de nouveau tous réunis, hein. Et messieurs, bonjour. Vous êtes seul? Bah, plus maintenant. Qu'est-ce qu'on vous sert? Écoute, Jules, c'est pas la peine de tourner autour. L'agrégé est ici, on l'a vu entrer. L'agrégé... Ça te rappelle rien?
Ah, Dédé. Oh, le pauvre vieux, il a été libéré. Ah, ben, pour une fois que vous m'annoncez une bonne nouvelle. Hein. Il n'a pas été libéré, il s'est évadé, tu le sais très bien. À parole que non, hein. Oh, sacré Dédé. Hein. Mais il vous en fait voir tout de même, hein. Comment il a fait? En boudez pas, quoi, c'est ma tournée. Allez, sors d'ici. Ah non, mais après, des manières, mais je t'ai sors d'ici. Ah, allez, sors. Allez. Allez. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? Ah, c'est pas une comédie, je viens de faire mon yoga. Vous savez que je peux vous faire sauter votre licence, vous, hein? Spectacle indécent. Eh, minute, de l'autre côté de la France, c'est pas du spectacle, interdit au public. Dis donc, t'es venu comme ça, ou alors t'as tout perdu au poker? Ben non, je lui ai renversé du sirop de grenadine. Eh, hey, oh, ouais. C'est 50 balles, sur son costard. Parce que vous buvez du sirop, vous? Ah, non, ben non, c'est celui d'un client. Bon, alors montrez-nous le costume. Eh ben, sa petite amie l'a amené au nettoyage. Vous voulez le laisser répondre, oui? Au nettoyage, un dimanche. Et alors, c'est pas défendu de se tâcher le dimanche? Alors, ma copine, elle a une copine qui est dans le détachant. Alors, comme ça pressait, on lui a téléphoné. Alors, le numéro, l'adresse? Ah, mais ma copine, elle me donne pas l'adresse de sa copine. Bon, alors, nous allons l'attendre. Ah, c'est pas possible. Elle passe tous les dimanches après-midi avec sa maman. Là, j'ai pas le numéro. Bon, et tu comptes rester comme ça tout l'après-midi? Pensez-vous? Non, non, j'ai un camarade qui est parti chercher ce qu'il faut chez moi. J'ai deux costumes, vous savez. Ah bon? Oui, moi. Je l'avais toujours dit, avec l'agrégé, ça finit toujours mal. Désolé, mais ça... Non, je suis vraiment désolé. Quoi? Oh. Oui, il paraît que le reste est à l'avenant. Le gigot, mon pauvre monsieur. Oui, c'est sinistre. Oui. Écoutez, après tout, je suis un peu responsable. Et toi, surtout. Si. Non, mes amis, je vous en prie. Non, il est normal que nous soyons à l'amende, puisque c'était convenu. Alors, je propose que nous passions directement au fromage, et puis nous reporterons notre petite réunion à dimanche prochain. Bon, ah oui. Non, si. Alors, j'y tiens. Dimanche. Ça, je crois, oui. Si. Hein? Et bien sûr, le soufflé reste de rigueur. Oui. Pardon. Non, franchement, écoute, qu'on lui ait même pas donné le Saint-Simon, mais moi, je trouve ça, c'est au-dessous de tout. C'est exactement comme si tu lui disais, d'accord, il y a un cadeau, mais donnant. Si on mange, on vous le donne. Sinon, rien du tout. Qu'est-ce que tu vas chercher encore? Tu crois que ça lui aurait fait plaisir de rentrer avec ses 40 volumes après le fiasco de son petit Balthazar? Marc, dans le fond, tu as peut-être raison, tu le connais mieux que moi. Ah ben, dis donc, voilà l'avis de recherche de l'agrégé. Écoute ça, 5 évasions. Faux. Usage de faux, abus de confiance, escroquerie, émission de chèques sans provision, vol avec effraction, recel, enfin, etc., etc. Condamnation à des peines diverses totalisant 26 ans et 4 mois de détention criminelle. Et donc, je comprends qu'il n'ait pas eu envie d'y rester, le gars. Bonjour, François. Et tenez, mon vieux, circulaire. Un rapport de police sur un accident du 26 mars... Et oui, si vous pouvez me le retrouver, le parquet me demande une copie. Oui. Et si je me souviens bien, c'est l'histoire de ce laitier qui est entré avec sa voiture dans la devanture du café des artistes, c'est ça? Oui, je crois. Qu'est-ce qui vous tire, Lupine? L'agrégé. Eh bien, ça ne nous concerne plus. C'est une question d'amour propre. Oh. Ils se sont bien payés notre tête chez Jules. Et ça passe mal. Ça passe pas du tout. Ouais, moi, je pense qu'il est déjà loin, votre ami l'agrégé. Si on le récupère quelque part, ce sera au passage d'une quelconque frontière. Eh bien, plus j'y pense, plus je me pose la question. C'est un malin, vous savez. Il essaiera de nous avoir par tous les moyens. Ça, mettez-vous à sa place. Justement, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Hier matin, Ponvaux, l'infirmerie. Oui. Il se fait la malle, bon, il saute dans une camionnette. Ah, c'est confirmé? Oui, j'ai téléphoné à Martial. Quel chutier. Non, c'est pas ça, mais je vous dis que ça me fera mal. Oui, bon, ben alors, vous avez téléphoné à Martial, et alors? Bien. Les motards ont intercepté la camionnette sur l'autoroute de l'Ouest. Oui. Pas trace d'agrégé. Ils l'ont laissé filer jusqu'à Vernon. Et là, en déchargeant, le camionneur a retrouvé les vêtements de prisonnier. Et c'est justement là que ça ne colle plus. Ponvaux, Vernon, 130 km. Moi, à sa place, j'aurais été aux anges. Plus j'aurais pu m'éloigner, plus j'aurais profité de la situation. Eh bien, lui, non. Il préfère s'arrêter dans le bois de Boulogne. Pourquoi? Parce qu'il préfère revenir dans Paris. Là, il a des complices, il peut gagner du temps... et nous avoir à la fatigue. Alors, enfin, vous n'allez pas me dire que vous en faites une affaire personnelle. Hein?
Vous avez une idée? Il est marié. Martial a dû faire le nécessaire. Martial fait ce qu'il veut. Mais moi, j'aimerais bien faire la connaissance de Madame d'Agrégat et lui dire deux mots. Deux mots, ça ne doit pas vous prendre beaucoup de temps, non? Merci. Désolé, madame, mais j'ai des ordres. Monsieur le commissaire, juste... J'ai pas le temps, mon vieux, voyez le patron. Hein. Je m'excuse, madame, mais c'est un peu compliqué. Vous voulez voir le commissaire et vous refusez de me dire pour quel motif. C'est confidentiel. Voilà, remettez-lui ceci. Il me recevra certainement. Bon, j'y vais. J'ai le temps de désir vous parler personnellement. Elle m'a donné ceci pour vous. Viviane d'Agrégat, bon sang. Bon, faites-la entrer et tâchez de rejoindre France Invite. Hein. Commissaire Lambert, asseyez-vous, Madame d'Agrégat. Je viens vous voir au sujet de mon mari. Il s'est évadé. Ah, ça, nous savons. Oui, mais ce que vous ne savez pas, c'est que je l'ai vu hier. Ah oui, et vers quelle heure? Vers 13h. Il m'a téléphoné. Nous avons pris rendez-vous. Je suis allée le chercher dans le bois de Boulogne. Mettons dans une buvette allée du retour. Vous l'avez repris? Sans ça, je ne vois pas comment vous pourriez savoir. Non, une simple coïncidence. Ensuite? Il voulait des vêtements, de l'argent. Oui, je sais, je n'avais pas le droit, mais je suis tout de même sa femme. Je n'ai pas pu le rattraper. Bon, tant pis, Marie, merci. Merci. Et, excusez-moi. Donc, vous avez rejoint votre mari? Oui, nous avons passé 2 heures ensemble. J'ai tout fait pour le convaincre de se constituer prisonnier, mais il n'y a rien eu à faire. Il faut le reprendre, monsieur le commissaire. Il n'a pas que des amis. Vous pensez qu'on lui en veut? Qui? Je n'en sais rien, mais cette nuit, il y a déjà eu 2 coups de téléphone. Chez vous? Oui. Des menaces? Oui. Oui, j'ai d'abord pensé que c'était la police, un piège. Puis j'ai réfléchi, ça ne rimait à rien. D'autant plus que j'ai déménagé 2 fois depuis son emprisonnement. Vous ne pouviez donc connaître ni ma nouvelle adresse, ni mon numéro de téléphone. Oui, ça, madame... J'ai pris mes précautions. Je vis sous mon nom de jeune fille. Vous savez, ce n'est pas très drôle d'être la femme d'un repris de justice. Enfin, surtout d'être cataloguée comme telle. Mais les autres savent. J'ai peur. Pour vous? Pour moi? Pour lui? Alors cette nuit, je n'en pouvais plus. J'ai quitté l'appartement. Je suis allée me réfugier chez ma sœur. C'est elle qui m'a dit de venir vous trouver. Bon, écoutez, madame, venons-en au fait. Où est-il? Je n'en sais rien. Non, je vous jure, je ne sais même pas dans quelle ville il peut être. Marie, voulez-vous venir? Marie, prenez la déclaration de madame et faites-la lui signer. Passez dans le bureau de Francin, vous y serez plus à l'aise. Je vous remercie d'être venue, madame. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, madame. Leblanc, vous prendrez en filature Madame d'Agrégat dès que Mareuil en aura fini avec elle. Non, non, il est attendant, tiens. Merci. Allô? Le sauna? Cette fois, ça y est. Je crois que j'ai mis dans le mille avec la petite d'Agrégat. Ah oui? Elle est en fuite. Celle-là aussi, elle se prend pour une fine mouche. Hein? Elle avait déjà changé de domicile 2 fois. Heureusement, Martial n'est pas tombé de la dernière. Dès ce matin, il connaissait la bonne adresse. Il a mis 2 hommes en planque, Nérac et Couturier. Des enfants de cœur. Ils attendaient en bas qu'elle sorte. Moi, je suis monté, personne. Seulement elle, on la recoincera. Ça, je vous le garantis. Non, on ne la recoincera pas. Elle est déjà coincée. Et si j'ose me permettre, elle s'est recoincée elle-même. Écoutez, je suis peut-être un peu borné, mais je comprends pas bien ce que vous me dites. Elle sort d'ici. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Paul Cogolin, s'il vous plaît. Il est entré ce matin. Il m'a demandé de lui apporter quelques affaires. Ah oui, je vois. Chambre 12, au fond du couloir à droite. Merci. Il est en observation. Oui, en observation sur sa demande. Je crois que c'est l'appendicite, mais il se frappe un peu. Oui, je vous écoute. Ne quittez pas. Dites-donc, on vous demande des renseignements pour le 16, madame Outouillet. Madame Outouillet, Outouillet. Ah oui, tout va très bien, elle sort dans 2 jours. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Je rangeais ma voiture. Ma soeur vient de passer, là. Pour monsieur Cogolin? Oui, c'est ça, monsieur. Ah, c'est la chambre 12, au fond du couloir à droite. Je vous remercie.
Moi, je trouve que c'est un peu gonflé d'avoir été chez les poulets. Je sais ce que Dédé m'a dit de faire. D'après lui, c'était le seul moyen de me blanchir. Puis dis donc, il a réfléchi 6 mois à l'agréger, alors nous. Bon, j'ai apporté le plus gros aujourd'hui. Parce que je pourrais pas venir tous les jours avec une valise. Puis heureusement, dis donc, c'est d'un lourd. Oh là là. Le linge, c'est rien. Mais le transistor, la chignole, les conserves. Je vous demande pardon. J'aurais dû frapper, mais monsieur... Monsieur Leblanc, c'est bien sa chambre ici. Ah non? Ah bon, parce qu'on m'avait dit le 14, c'est pour ça? Non, ici c'est le 12, monsieur. Oh, pardon, j'avais pas vu. Je vous prie de m'excuser. Je vous en prie. Dis donc, moi j'aime pas beaucoup ça. Maintenant, voir ce qu'il fait. Ouais. Ouais. Il entre en face. C'est bien le 14. Ah, mais comme ça, ça marche. Un flic, tu comprends, à la rigueur, ça peut avoir une astuce. Mais deux, ça, c'est au-dessus de sa compétence. N'empêche que, tu veux que je te dise un truc? Ouais. Ben, moi, depuis que je suis ici, je me sens vaseux. Tu te fais des idées. Pas du tout. J'étais en pleine santé, moi. Seulement, avec vos combines, là-dedans, tout seul, avec les odeurs, les infirmières, les thermomètres, eh bien, j'ai une morale qui blanche. Mais puisque t'as rien. Ben, je sais que j'ai rien. Seulement, pendant 3-4 jours, qu'on se passe comme si. Alors, les médecins, ils nagent, ils cherchent. Bah c'est ça l'observation, il t'observe. En 3 jours tu dis je vais bien et tu sors. Oui, ça va. Oui, mais suppose, suppose qu'ils veulent s'intéresser à mon cas. Suppose qu'ils veulent vérifier pour se rendre compte. Hein? Eh ben, picouse, calmant et on ouvre le buffet. Oh, tu peux rigoler. L'agrégé, il se rend pas compte de l'affection que je lui porte pour faire un coup comme ça. T'es bien payé, non? Oui, oh, tout de suite, les arguments m'assuent. Eh ben, tu veux que je te dise, l'argent, ça compense pas l'affection que je lui donne. Allô? Oui, c'est Leblanc. Bon, alors j'ai suivi Madame d'Agréga, comme l'avait demandé Monsieur le Commissaire. Elle est passée au 33 boulevard de Picardie. Malheureusement, j'ai pas pu savoir chez qui elle allait. La concierge la connaît pas. Mais c'est sa sœur qui habite là. Elle a emménagé chez elle cette nuit. Ah bon? Bon, ben si vous le savez... Alors elle est restée là-haut à peu près une demi-heure. Ensuite, elle est redescendue avec une valise. Elle a pris un taxi et elle s'est fait conduire jusque dans une clinique. La clinique Moreau. 28 rue Lacépède, dans le 17e. Oui, mais moi, je suis grillé maintenant. Ah non, elle m'a pas reconnu, mais j'ai voulu aller jusqu'à la chambre de son malade. Attendez, un nommé Cogolin. Cogolin? Paul Cogolin? Bah, mais c'est qui l'outil hier? Attends, tu l'as vu? Bon, alors, grosso modo, à quoi ressemble-t-il? Oui. Oui. Pas de doute, c'est Kiki, oui. Je me disais que ça aurait pu être une bonne planque pour l'agréger, une clinique. Oui. Allô, oui? Quoi? Un transistor? Et alors? Si j'étais en clinique, comment aussi je demanderais un transistor? Ah, il en avait déjà un. Et une chignole. Bon, écoute, tu ne bouges pas de là-bas, je t'envoie à Orléans. Hein? Ensuite, tu reviens et puis on réfléchit. D'accord? Salut. Tu sais que tu n'as pas très bonne mine en ce moment. Ben forcément, avec la femme et les enfants qui sont en vacances, là, je me sens tout drôle à la maison. J'ai même plus envie de me faire la cuisine. Alors. Et ça t'ennuierait de rentrer en clinique? Oui, je vous suis d'autant plus reconnaissant que ma démarche est tout de même assez anormale. Voyez bien, commissaire, que si elle avait mis en cause les règles médicales, j'aurais été obligé de vous refuser cette collaboration. Je vous remercie même. Ah bon? Oui, votre Cogolin m'inquiétait. Je ne voyais aucun rapport logique éclairant la constatation clinique et ses déclarations, à vrai dire, vacillantes. Ça change toutes les 3 heures. Maintenant, je vois. Et n'oubliez pas que si j'ai des obligations envers mes malades, je me sens tout à fait dégagé en ce qui concerne les simulateurs. Une bonne surveillance discrète, enfin, je n'en demande pas plus. Vous verrez, Abadi est un garçon charmant, enfin, surtout si on le dorlote un peu. Je dorloterai. Pas trop tout de même. Attention, madame d'Agréga. Ah, madame, très heureux de vous voir. Bonjour, docteur. Vous savez que votre beau-frère m'inquiète. Hein? Et monsieur Cogolin est bien votre beau-frère. Oui. Je vais essayer sur lui une méthode très nouvelle de détection. Je ne vous cache pas que c'est assez douloureux à supporter. Mais monsieur Cogolin est un homme. Je vous supplie surtout, docteur, de ne pas lui en parler. Surtout si c'est douloureux. Je vous en prie, inquiétez.
Alors, ça va? Oui. Emmenez-le. C'est vraiment rien pour nous aider, hein. D'accord, monsieur Campuac. Voilà, d'accord. Dimanche. Dimanche à midi et demi précise. Ben oui, dans 4 jours. Très bien. Non, écoutez, moi je. Non, des haricots. Ben oui, des haricots verts, c'est ça, je préfère. C'est parfait. Non, mettez des haricots verts. Comment? Oui, c'est des petits pois. Au revoir, monsieur Campuac. Je vous dérange? Non, non, pas du tout. Vous ne portez pas votre rosette, monsieur l'officier. Ah non, j'attends encore quelques jours, la petite cérémonie a été retardée. Oui, on m'a dit ça. Je voudrais débaucher François, c'est possible? Ah, pour moi, oui, mais pour lui, je ne sais pas, il s'occupe beaucoup de l'agrégé en ce moment. Bah, justement, c'est lui qu'il s'agit. Oui, je voudrais que François aille se renseigner à la prison où il s'est évadé. Mm. Il y a sûrement quelque chose à tirer là-bas. Ah, mais c'est ça, mais je pense même que ça va lui faire très plaisir. Il a remarquablement endormi notre vigilance, parce que j'ai fait une enquête auprès de mon personnel et de ses compagnons de cellule. Rien. Alors rien, pas un geste, pas un signe qui soit révélateur de son dessein. Il se taise pour le protéger. Pensez-vous. Il se comportait avec ses compagnons de cellule d'une façon tellement humiliante que s'ils avaient eu la moindre occasion de prendre barre sur lui d'une manière ou d'une autre. Non, mais le seul indice... Et il est bien tard, je ne sais trop comment l'interpréter. C'est ça. Il paraît que depuis quelques semaines, il ne sortait pas le nez de ses livres. Ludovic Manessi du Pleuat. Mmh, exactement. Un illustre inconnu. Les évasions de l'étude, encore j'aurais compris. J'ai feuilleté quelques pages, c'est ennuyeux. Mais ennuyeux. Pas de mots soulignés, d'annotations en marge. Rien. Bah, que voulez-vous, il en faut pour tous les goûts. Ça changeait de la série noire. Et autre chose. Il connaissait cet auteur avant de venir ici. Et son premier soin, quand je lui ai confié la gestion de la bibliothèque, a été de commander les œuvres complètes. Parce qu'il y en a d'autres? Oh là là. 59 volumes. Et vous dites que c'est ennuyeux? Non, oh, si vous voulez en juger vous-même. Non, merci, sans façon. Enfin, je vais tout de même noter ça. En somme, chou blanc. Sur toute la ligne. Et de votre côté? Ben rien. Cogolin ne reçoit de visite que de Viviane d'Agrégat et des vivres en quantité. Ça, c'est le seul point suspect. Moi, j'en suis à me demander si nous n'avons pas été roulés. Une fausse piste épatante. Et pendant que nous sommes braqués là-dessus, l'agrégé prend le large. Oh, enfin, le transistor, les concerts, la chignole... Un piège, le blanc est tombé dedans et nous avec. N'oublions pas que Viviane d'Agrégat est ressortie avec la valise et peut-être tout ce qu'elle contenait. Ah, à ce moment-là, elle changeait de domicile. Non, moi je pense qu'il y a quelque chose là-dessous. Ben, nous verrons bien. Tout le quadrilatère de la clinique est sous surveillance. Patientons. Bien, patientons. Ah, en fait, j'oubliais. Les lectures de l'agrégé. Voilà, il paraît qu'il s'y intéressait de très près. Manessi du Pleuat. Oui. Manessi du Pleuat. Pardon, attendez. Et on doit trouver ça sur le... Dans les musées. Ah voilà, le musée Manessi du Pleuat est une charmante demeure du siècle dernier léguée à la ville de Paris sous réserve qu'elle en fasse un musée, perpétuant le souvenir de cet auteur. Oui. Et il se trouve... Tiens. Pardon. Je consulte sur un plan. Et voilà, il se trouve à 200 mètres de la clinique. Et vous dites que l'agrégé a lu tout, les œuvres complètes. Il va m'insister pour que la bibliothèque de la prison en fasse l'achat. Et si vous alliez récupérer ces livres? Salut. Salut. Tiens, mon petit bonhomme. C'est ça. Le patron t'envoie de la lecture. De la lecture, mais pourquoi faire? Je ne lis pas, moi. Ah ben justement, lis et ça viendra l'ennui, crois-moi. Tiens. Traité des eaux ferrugineuses du bassin parisien. La reproduction des gastéropodes. Des quoi? Des gastéropodes. C'est quoi ça? Bah, les escargots, enfin écoute. Leur reproduction.
Tiens, ben t'en as 618 pages. Hein. Je dois lire 618 pages sur les escargots, moi. Bah, et alors, t'as que ça à faire, non? Et puis, tu lis tout ça pour demain, hein? Non, mais ça va pas, mais vous allez me rendre malade, moi. Déjà que je dois passer dans toutes les chambres, visiter les étages, non? Ce que t'as pas encore fait. Ben si, c'est fait. Il n'y a pas trace de l'agrégé. Bon, écoute, hein, moi, je te donne la consigne. Bon, ben, dis donc, puisque t'es là, tu voudrais pas me tasser un peu mes oreillers? Très bien, gentil. Ah oui. Hein? Voilà. C'est le double, là. Voilà, très bien. Tends un peu plus en arrière, s'il te plaît. Voilà, comme ça. Oui. Voilà, pendant que tu y es, tu aurais pas aussi me border un petit peu. Bien sûr, tu parles. C'est gentil, ça. Merci. Puis la prochaine fois, apportez-moi donc des pamplemousses puis des cigares aussi. Hein? Non, mais tu voudrais pas un magnum de champagne, non? Oui, voilà, ça donnera un petit coup de fouet, ça. Un sûr. Petit coup de fouet, oui. Un gros loulou, là. Histoire comparée des dialectes français. Eh ben, dis donc. Oui, et tu sais que t'en as trois volumes, hein? Et vous, pendant ce temps, vous, c'est la belle vie, vous, hein? Non, mais qu'est-ce que tu t'imagines? Il est bon, lui. Nous aussi, on a de la lecture. Écoutez, je suis désolé de vous imposer cela, mais je voudrais vous demander d'emporter ces livres chez vous et d'en lire un petit peu ce soir, enfin, comme je le fais moi-même. Hein? Cela dit, je vous souhaite tout de même une bonne nuit. Merci, monsieur le commissaire. Je vais voir si tout va bien, monsieur Abadi. Ça va bien, merci. Oh, ben dites donc, vous ne chômez pas. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Vous instruire, hein? Si ça vous intéresse... Je peux? Ah oui, choisissez. Ils sont tous plus intéressants les uns que les autres. Bon, attention, il faudra me rapporter demain puis me raconter. Hein? Oh oui. Voilà. Oh, ténor fils de roi. Oh, ça va me plaire. Oh, sûrement, c'est peut-être chouette. Merci, monsieur Abadi. C'est ça. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bonjour, monsieur le commissaire. Alors? Rien? Non, rien. Bon, Francin est là? Oui, dans son bureau. Oh, rien non plus. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Merci bien. Les oreillers, s'il vous plaît. Un petit peu. Oh là. Mareuil Leblanc, venez dans mon bureau. Francin. Oh, pardon. C'est moi qui m'excuse, j'ai eu un petit coup de pompe. Non, mais je vous en prie. Si vous voulez venir dans mon bureau. Bon, je crois que nous touchons là quelque chose d'assez passionnant. Écoutez-moi, conquis par le charme de cette demeure, je décidai donc de déménager sur l'heure pour m'y fixer, conscient que sa quiétude, son calme infini, ne pourrait que favoriser l'éclosion de l'œuvre immense qui bouillonnait en moi. C'est le journal de Manessier du Ploat, 1882, et il parle de la maison qui va devenir le musée. Je m'excuse au lecteur de t'infliger par le menu détail la description de ces lieux qui devaient si bien tout au long des années qui suivirent satisfaire à mes voeux. Si je t'en livre les secrets, c'est que l'amitié... Dans l'eau suintant des parois et la pénombre mystérieuse. Au-dessus de moi, les fiacres faisaient sonner le pavé de la rue des Pampres. Quoi, vous ne remarquez rien? Ah bah écoutez, si je t'en livre les secrets, c'est que l'amitié, dans l'eau suintant des parois et la pénombre mystérieuse. Point. Si
principe, et ça veut rien dire. Ben non, exactement. Et pourquoi? Parce qu'il manque 24 pages. 24 pages de cet exemplaire que l'agrégé a eu entre les mains. Et les 24 pages qui manquent sont celles où l'auteur annonçait justement « Si je t'en livre les secrets de la maison de l'auteur ». Et il semble bien que l'agrégé se soit intéressé tout particulièrement à ces détails. Monsieur le commissaire, moi je ne voudrais pas dire de bêtises, mais tout à l'heure vous avez parlé de la rue des Pampres. Oui. Et là j'ai une déclaration de cambriolage, 18 rue de Pampres. Ah bon, allez là me chercher. Bon, Mareuil, filez à la Nationale et recopiez-moi les 24 pages qui manquent. Quoi, les 24 pages de même... Mais oui, ça vous fera un très bon exercice. Mareuil, faites les photocopier. Voilà, on a volé chez un certain monsieur Landau 4000 francs en liquide, une paire de bottes et un radiateur. Bon, alors il faut prévenir Martial. Surveillez de très près le musée jusqu'à ce qu'on ait plus de précision. Entrez. Ah, je sors, mais je vous aide, hein? Oui, mais je crains que vous ne changiez d'avis quand vous saurez ce que je viens d'apprendre. Quoi? Mais enfin, Abadi, qu'est-ce que vous avez fichu? Mais non, vous ne demandez pas de lire jour et nuit, mon vieux. Bon, ça va rester sur place, on arrive. Oui? Gogolin a quitté la clinique. Et ils l'ont laissé partir? Sans nous alerter? Enfin, il était convenu qu'il... Cette nuit? Sûrement pas par la grande porte. L'infirmière de garde n'a rien vu. Ah là 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 là. C'est juste au moment où nous touchions au but. Oui, pas de chance. Si Gogolin est parti, c'est que l'agrégé n'a plus besoin de lui. Et si l'agrégé n'a plus besoin de lui, c'est qu'il est parti également. Bon, eh bien écoutez-moi, je vais aller à la clinique. Dès que Mareuil sera de retour, dites-lui de me rejoindre. Quant à vous? Oui, bon, je m'occupe de Gogolin. Ben, t'auras aussi bien pu les attendre chez toi. Ah, si moi, je m'empoisonne. Ben, à la clinique, t'étais pourtant peinard. Ah, c'est toujours ce que vous dites. Seulement, quand on y est, moi, j'osais plus fermer l'œil. Viviane m'avait prévenu, il voulait essayer une nouvelle méthode pour savoir ce que j'ai. Ben, et la nouveauté, t'es contre. Ah, ben, attends, méthode nouvelle et douloureuse, alors pas partout, le kiki. En tout ça, j'ai attrapé un rhume. Allez, Blini. Ben, tiens, allez, voilà. Hein? Allez, bois ton grog pendant qu'il est chaud, va. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qu'on vous sert? Rien. Alors, c'est pas très malin ce que tu as fait là l'autre hier. Ah, moi, j'ai rien fait de même. Article 1, tu es parti sans autorisation. Je suis majeur. Article 2, sans payer. Ah, mais il n'y a qu'à envoyer l'addition, ça sera réglé rubis sur l'eau. Et alors, article 3, c'est plus compliqué pour toi, complicité d'évasion. Bah, et vous, c'est toujours la même chanson, on est toujours complice de quelque chose. La semaine dernière, c'était moi, tiens. Oui, je maintiens ma position, pas d'accord? Ah non, pas du tout. Bon, alors on va discuter un petit peu, mais pas ici, hein. Je vous embarque tous les deux. De quel droit? Bien, moi, je suis commerçant, moi. Il n'y a qu'à mettre un écriteau sur la porte. Fermé pour cause d'interrogatoire. Parce que j'ai quand même le droit de vous cuisiner 48 heures. La garde à vue, ça existe, non? À mon avis, il a dû filer par la fenêtre, les jardins. En somme, vous n'avez plus de trace. Mais c'est pas tellement Gogolin qui m'intéresse, c'est l'autre. Hein? Tout cela doit faire partie de leur plan. Non, je suis persuadé que nous le retrouverons très facilement, Gogolin, mais nous n'en tirerons rien. Et pendant ce temps-là... D'ailleurs, il doit être déjà loin, notre agrégé. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Oui. Ça ne me regarde peut-être pas, enfin... Non, mais je vous en prie. Monsieur Abadi m'avait demandé de surveiller toutes les conversations téléphoniques. Ah, mais il a bien fait. Seulement, il téléphonait jamais. Ah, pardon. Monsieur Gogolin ne téléphonait jamais. Mais sa belle-sœur, elle... Viviane. Elle a demandé les renseignements SNCF hier. Elle voulait une confirmation pour l'heure du premier train pour Le Havre, samedi matin. Demain? Oui. Mais il doit être encore là. C'est bien, mon petit, c'est très bien. Eh bien, voilà qui change tout, qui remet tout en question. Ah, bien, voilà, Mareuil. Ce sont les photocopies? Oui. Bon, vous les avez lues? Ah non, je n'ai pas eu le temps. Bon, docteur, pouvez-vous nous prêter un bureau et un téléphone? Ah, bien sûr, mais venez avec moi. Merci. Bon. D'accord. Je retrouve Abadi sur place. Je pars tout de suite. J'espère que ça marchera. À tout à l'heure, Lambert. Il n'a vraiment pas eu de chance, hein? Ben, 11 novembre 1918, mourir le jour de la victoire, on passe inaperçu. Oh. Vous pensez vraiment que la gardienne est complice? Non, je ne le crois pas, mais il vaut mieux prendre des précautions, on ne sait jamais. Ah, Loiseleu. Tout est prêt, monsieur le commissaire. Bon, Martial est arrivé? Oui, monsieur le commissaire. Très bien. Allons-y.
Bonjour, madame. Madame, permettez-moi, le professeur Lambert, mon assistant. C'est pour visiter. Oui, madame. Oh, ben alors, si j'avais su. Une visite, mon Dieu, depuis le temps. Oh, quelle aventure, si vous voulez vous donner la peine d'entrer, messieurs. Pardon. Vous ne voulez toujours rien dire. Mais puisque je vous dis que je ne sais rien... Mon intérêt, ce serait d'ouvrir mon commerce, moi. Si je savais quelque chose, ben... Bon. Eh bien, moi, j'aime autant vous dire que si on le retrouve, l'agrégé, il vous fera pas de cadeau, lui. Donc, ici, comme je dis, c'est le centre. Messieurs, c'est par ici. Voilà, comme je dis ici, c'est son fait. Oui, c'est également ce que disait Manessi. Il disait en ce modeste lieu qui devint mon sanctuaire, entre la porte étroite et la fenêtre qui ne l'était pas moins. Oh, monsieur, je vous en prie, faut pas me couper. Parce que moi, c'est du par cœur. Alors, vous me ferez perdre le fil. Bon, excusez-moi. Depuis le temps qu'il n'est passé personne. Alors, comme je dis ici, c'est son fait. Il est demeuré dans le même état depuis la disparition prématurée de l'auteur de tant d'ouvrages qui font la gloire de nos lettres. Sur le bureau, sa dernière lettre. Il posait pour la 9e fois sa candidature à l'Académie française. À droite, sa plume, à gauche, sa tabatière. Ben non, voyons. À droite, c'est toi. Voilà, sa tabatière. Sous le sous-main, une feuille blanche et jaunie par le temps, qui révèle la curieuse superstition du maître, terrorisé par la feuille blanche. Ben ça, c'est bien connu. Oui, n'est-ce pas? Pour conjurer le sort, il glissa sous le sous-main une feuille blanche et ne l'ôta jamais. Elle y est encore. Elle y est encore. Elle n'y est plus. La plume à gauche, la tabatière à droite, plus de feuilles. Et avant-hier... Avant-hier? Oui, sur le lit, l'édredon, il y avait un grand creux, comme si quelqu'un avait couché dessus. Et ça sentait le tabac. Oui, oui, le tabac. Et pas de traces, pas de mégots. Monsieur n'a jamais fumé que la pipe. Monsieur. Manessi Duplouette. Ah oui, parce que, il faut vous dire, c'est lui qui revient. Enfin, son fantôme. Oui. Il l'avait dit d'ailleurs, je reviendrai. Oh. Ben maintenant, ça y est, on a été tranquille pendant 48 ans, ben maintenant il va revenir. Parce que vous savez, il fallait le connaître. J'ai été sa gouvernante, moi alors. Quel antiquineur. Oh. Fantôme, c'est passionnant. C'est vraiment... Vous n'avez pas un cachet d'aspirine, s'il vous plaît, madame. Oh, mais si, monsieur, seulement, alors vous patientez, le temps que je descende puis que je remonte. Non, mais je vous en prie, prenez votre temps. Bien, merci. Bon, maintenant que nous sommes seuls, voyons la fenêtre, les deux petits tableaux, le grand tableau, c'est là. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, allons-y. N'essayez pas de fuir. Qu'est-ce qu'on fait? Allons-y. J'aurais préféré le faire moi-même, mais bravo. C'est ça, merci. Au revoir. Écoutez, moi j'en ai marre toutes ces histoires. Mais je vais tout vous dire. Tu vas la faire. Mais j'en ai marre. Trop tard, monsieur. Trop tard. Et figurez-vous qu'il s'était perdu dans tous ces souterrains
Et il est rentré sale. Mais sale. Non, mais ma chérie, tu ne penses pas qu'on pourrait parler d'autre chose, écoute. Mais mon chéri, M. Campac nous a accordé 5 minutes avant de souffler. Et ça l'intéresse, n'est-ce pas, M. Campac? Et figurez-vous que ce bandit avait le culot d'habiter le musée Mansi. Non, mais la nuit seulement, auparavant, il venait se ravitailler à la fenêtre de Gogolin en passant par les jardins. Oui. Et le jour, il descendait dans le souterrain. D'où la nécessité des bottes et du radiateur électrique. Qu'il allait voler dans les caves. Ils ont du vice, allez. Ah, pardon, écoutez, excusez-moi, je pense que c'est peut-être pour moi parce que je me suis permis de... Ah non, monsieur Lambert, non, non. L'autre dimanche, le soufflé, je l'ai raté. Vous ne l'avez pas mangé et vous l'avez payé. Alors, aujourd'hui, je vous l'offre. C'est mon cadeau. Et vous le mangerez. Mais dans 4 minutes. Bon, alors voilà, je... Si vous le permettez... C'est au nom de tout le monde ici que j'ai perdu le papier. Bon, mais voilà, j'avais préparé un petit speech. Enfin, ce qui vous arrive nous fait bien plaisir. Et enfin, on est content, quoi. Et alors, en témoignage de tout, nous avons voulu vous offrir ces quelques livres. Oh, hein? Bien. Ces quelques livres qui... Enfin, oui, bon, voilà. Bon. Non, mais c'est trop gentil. Je ne sais pas quoi vous... C'est... Voilà. Je sais pas, je suis très touché de... C'est la moindre des choses. Ah, puis je suis surpris. C'est... Mais non, je m'attendais... Enfin, j'aurais parié pour Saint-Simon. Mais c'est... Non, Ludovic Manessi du Ploate. Oh, je me suis trompé de paquet. Non, ça c'est rien. Non, c'est pas possible. Ça n'a aucune... On est désolé. Vous avez besoin de garder ça. Non, parce que je voyais...